passant. Il est de ces écrivains français susceptibles de donner le goût de la lecture à ceux qui ne lisent pas ou pas encore. Ils ne sont pas nombreux, les écrivains, dans ce cas. Ayant traversé et marqué la littérature française, il est resté dans toutes les mémoires un des plus grands écrivains avec ses quelques 300 nouvelles, contes et romans. Lié à Gustave Flaubert et à Émile Zola, Guy de Maupassant a écrit bon nombre d'œuvres qui retiennent l'attention par leur force réaliste, la présence importante du fantastique et par le pessimisme qui s'en dégage le plus souvent. La carrière littéraire de Maupassant se limite à une décennie, de 1880 à 1890, avant qu'il ne sombre peu à peu dans la folie et ne meure avant ses 43 ans. Mais commençons par le commencement. La famille Maupassant, venue de Lorraine, s'installa en Seine-Inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime, au milieu du XIXe siècle. Le père de Guy, Gustave de Maupassant, qui a obtenu par décision du tribunal le droit à la particule, épousa en 1846 Laure Le Poitevin, une demoiselle de la bonne bourgeoisie. Celle-ci est l'amie de Gustave Flaubert, le fils d'un chirurgien de Rouen, qui devait exercer une certaine influence sur la vie de son fils, Guy de Maupassant, qui naquit le 5 août 1850 au château de Miroménil, près de Dieppe. Quatre ans plus tard, la famille s'installa au château blanc de Grimby-Imauvy, près du Havre. Dans l'an 1856 naît Hervé, le frère cadet de Guy. Séparé alors de son mari infidèle en décembre 1860, Laure et ses enfants s'installèrent à Étretat. Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité, comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Guy passe le reste de son enfance dans la maison des Vergy, une grande bâtisse du XVIIIe siècle à Étretat, que Laure, sur les conseils de son frère, Alfred Le Poitevin, a acquise avant son mariage. Guy est profondément attaché à sa mère. On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. À ses 13 ans, il est pensionnaire de l'institution ecclésiastique d'Yvetot, selon le souhait de sa mère. C'est en ces lieux qu'il commence à versifier, mais il conservera une certaine hostilité envers la religion. Il finira par se faire renvoyer. Il est alors inscrit au lycée de Rouen, où il se montre bon élève. Travailleur forcené, il s'adonne à la poésie et participe beaucoup aux pièces de théâtre. À cette époque, il côtoie Gustave Flaubert, dont il devient le disciple. Flaubert le prend alors sous sa protection et devient pour lui une sorte de mentor littéraire, guidant ses débuts dans le journalisme et la littérature. La chasse est aussi un bon moyen pour Maupassant de se divertir et de passer son temps. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre goût différent créent autant de vérités qu'il y a d'hommes sur la terre. Un an s'écoula et il s'enrôla comme volontaire lors de la guerre franco-prussienne. Cependant, il la quitta peu après pour s'installer durablement à Paris. Il passe 10 années comme commis d'abord au ministère de la Marine, puis au ministère de l'Instruction publique, où il est transféré en 1878 grâce à Flaubert. Il y restera jusqu'en 1882. Flaubert l'encouragera et le guidera dans ses débuts. Malheureusement, en janvier 1877, le romancier russe Tourgueniev, qui le rencontre et le trouve tout affaibli, lui diagnostique une syphilis. On ne sait pas alors soigner cette maladie du siècle qui rend fou. Cette maladie, il en mourra, ne cessera d'empoisonner l'existence du jeune homme. Chez Flaubert, outre Tourgueniev, il rencontre Émile Zola ainsi que de nombreux écrivains appartenant aux écoles naturalistes et réalistes. Il écrit beaucoup de vers et de courtes pièces. Il commence aussi à fournir des articles à plusieurs journaux importants, tels que Le Figaro, Gil Blas, Le Gaulois ou encore L'Écho de Paris. Il consacre aussi ses loisirs à l'écriture de romans et de nouvelles.
Le talent provient de l'originalité, qui est une manière spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. Toujours encouragé par Flaubert, le vieil ami de sa famille, il publie en 1879 son premier livre, un fascicule d'une centaine de pages, Histoire du vieux temps. Celui-ci est représenté le 19 février 1879 chez Balland, au 3e théâtre français, sous la forme d'une comédie en anacle et en vers. C'est un honnête succès. Il publie aussi, en février 1875, son premier conte, La main écorchée, sous le pseudonyme de Joseph Prunier, dans l'Almanach Lorrain et le Bulletin français, publié le 10 mars 1876 sous la signature de Guy de Valmont, pour son conte En canot. Boule de Suif est la première nouvelle de Guy de Maupassant. Elle fut écrite dans le courant de l'année 1879, rendue publique en 1880, d'abord par une lecture faite en janvier par l'auteur devant ses amis du groupe de Médan, dont Émile Zola, écrivain naturaliste, puis par la publication au sein d'un recueil collectif de nouvelles titré Les Soirées de Médan, le 15 avril 1880. L'histoire, qui se passe à la fin de la guerre franco-prussienne, raconte une prostituée se faisant interpeller par un policier et devant se sacrifier pour ses compagnons. Cette nouvelle remporte d'emblée un grand succès. Flaubert la qualifie de chef-d'œuvre qui restera. Cependant, la disparition subite de Flaubert, le 8 mai 1880, laisse le nouvel écrivain seul face à son destin. Maupassant s'inspirait beaucoup de sa vie et de ce qu'il vivait pour écrire ses nouvelles. On finirait par devenir fou ou par mourir si on ne pouvait pas pleurer. La décennie de 1880 à 1890 est la période la plus féconde de la vie de Maupassant. Il publie 6 romans, plus de 300 nouvelles et quelques récits de voyage. Rendu célèbre par sa première nouvelle, il travaille méthodiquement et produit annuellement 2 et parfois 4 volumes. Le sens des affaires, joint à son talent, lui rapporte la richesse. Charme n'a d'égal que votre élégance. Qu'est-ce qu'il y a? La rivière. La parure, j'ai plus la parure. Mais quoi, c'est pas possible. Mon Dieu. C'est pas possible. Mon Dieu. C'est pas possible, voyons. On va la trouver. Mon Dieu. Voyons. Mais t'es sûr que tu l'avais en quittant le bal? Mais oui, si tu ne t'étais pas endormi sur cette banquette, tu l'aurais vue. Mais cela coûterait-il d'en faire un tout pareil? Je dirais... 40 000 francs. Enfin, pour une commande ferme avec versement dans un compte, je vous le ferai à 36 000. Tu dis que tu as acheté une parure de diamant pour remplacer la mienne. Oui. Tu ne t'en es pas aperçu, hein. Elle était bien pareille. Oh mon Dieu, mais ma pauvre Mathilde. La mienne était fausse. Elle valait à peine 500 francs. Toutefois, vers les années 1885, son style bifurque subitement sur le fantastique et le mystère, absent dans le reste de ses œuvres littéraires. Le surnaturel baisse comme un lac qu'un canal épuise. La science, à tout moment, recule les limites du merveilleux. Durant les dernières années de Maupassant, se développe en lui un amour exagéré pour la solitude, un instinct de conservation maladif, une crainte constante de la mort et une certaine paranoïa due à une probable prédisposition familiale. Sa mère étant dépressive et son frère mort fou, mais surtout à la syphilis contractée pendant ses jeunes années. Maupassant se porte de plus en plus mal. Son état physique et mental ne cesse de se dégrader,
et ses nombreuses consultations et cures à la Plombière-les-Bains, à Aix-les-Bains ou à Gérardmer n'y changent rien. Ses idées évoluent ainsi que son style de nouvelle. Il sombre dans la folie et écrit sa célèbre nouvelle « Le Horla », décrivant un fantôme ou démon le hantant chaque nuit. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu, mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu! Je deviens fou? Qui me sauvera? Dans la nuit du 1er janvier au 2 janvier 1892, il fait une tentative de suicide au pistolet. Son domestique, heureusement, François Tassard, avait enlevé les vraies balles. Il casse alors une vitre et tente de s'ouvrir la gorge. On l'interne à Paris le 8 janvier dans la clinique du docteur Émile Blanche, où il meurt de paralysie générale en cette année 1893. Il laissa à sa domestique une dernière phrase. « Je suis entré dans la littérature française comme un météore, j'en sortirai comme un coup de foudre. » Jeunesse, je pense que c'est une nouvelle qui m'a le plus touchée. C'est une nouvelle qui s'appelle La Parure. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, ça serait intéressant que vous alliez jeter un œil à ce texte-là. Il y a La Parure, Le Horla, et puis aussi Le Comte de la Bécasse. Beaucoup de sentiments différents. En particulier pour La Parure, à la fin, j'ai été très bouleversée et cette nouvelle m'a accompagnée très longtemps. Pour le Horla, le côté fantastique va m'a plongé dans un autre monde. C'est particulièrement intéressant au niveau des émotions, au niveau de tout ce qu'on peut ressentir dans sa tête, au niveau des sentiments et des émotions. Alors l'œuvre de Maupassant que j'ai déjà lue s'intitulait Le Horla. Donc ça a été assez surprenant et assez intriguant. Je voudrais encore lire plusieurs nouvelles ou romans de Maupassant, car je trouve qu'il écrit assez bien et qu'il met bien en valeur la langue française. Et je n'ai jamais vu de film ou de série tiré d'un roman de Maupassant. Alors c'est un petit peu... je vais faire la même réponse. La version cinématographique n'apporte pas les mêmes choses. Parfois, elle ajoute des éléments que je n'avais pas forcément vus dans la lecture. Mais en même temps, Maupassant, c'est quand même un écrivain, c'est pas un réalisateur de films, donc je vais rester fidèle à son texte. Et je vais peut-être préférer ses livres. J'aime bien les deux, parce que des fois, j'aime retrouver dans un film, dans une adaptation télévisée, les personnages. Et en particulier pour Maupassant, j'ai apprécié la série qui est passée à la télévision, où on reprenait justement les nouvelles de Maupassant avec des acteurs différents. Et puis il me semble qu'autrefois il y avait un réalisateur qui s'appelait Claude Santelli, il y a très longtemps, qui a fait aussi des adaptations de Maupassant que j'aimais bien. Si j'aime le registre fantastique, c'est que c'est pour changer un peu des romans ordinaires, c'est pour se divertir. Dans l'Horla peut-être, ce glissement du monde réel au monde fantastique, c'est très intéressant à analyser. Et d'un seul coup, on vient, on se trouve dans un autre monde. Ce qui m'a plu dans l'œuvre de Guy Maupassant, c'était un peu le bizarre de l'histoire, car pour l'époque, ça change un peu de Zola ou de Balzac. Moi, en face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer. Derrière moi, une très belle armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Pour moi, le Horla de Maupassant pourrait être adapté en film. Car il traite toujours de sujets d'actualité, comme la folie humaine. Ce qu'on se rend compte en lisant le livre, que un peu la schizophrénie du personnage principal est assez intéressante. Maupassant,
Son nom restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont lu et dans celle des générations à venir. Il est l'auteur qui a prodigué à ses millions de lecteurs fidèles des émotions intenses en nous léguant bon nombre d'œuvres, de récits et de contes, de réponses, mais aussi de questions irrésolues. Maupassant sera à jamais considéré comme l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature.